Chez les Vaillancourt, la créativité est une histoire de famille. Pour une rare fois, père et fils ont accepté d'exposer ensemble. On s'est fait souvent proposer des projets ensemble, mais je crois qu'on est assez indépendants aussi les deux. Puis moi, de mon côté, j'essaie de faire mon chemin, mon petit bout de chemin par moi-même aussi. En dehors de Père, le Fils, le Saint-Esprit, là, il y a autre chose. Je pense que ce qu'Alexis a actuellement, c'est irremplaçable. Il y a la curiosité, il y a l'énergie, il y a la volonté d'avancer. L'exposition « Deux cœurs, deux têtes » entre rêve et réalité présente une soixantaine d'œuvres récentes des deux artistes. On a quoi, 63 ans de différence. Fait que de créer le dialogue entre les œuvres d'Armand qui vient complètement d'une autre époque puis moi qui viens du futur, entre guillemets. Là. Armand Vaillancourt est un des précurseurs de l'art militant au Québec. Il a transmis à son fils l'amour des matières communes et des objets du quotidien comme matériaux de base riches pour la création. De grandir dans un atelier où il y avait, bon, on pourrait dire une cour à scrap, mais en même temps, c'est une cour pleine de trésors. Fait que là, moi, j'ai grandi à travers ça. Puis ça te fait aimer des matériaux, des déchets là, qui sont habituellement... qui amènent du dédain pour certaines personnes. Puis quand tu les regardes d'un autre œil, ben, il y a des choses incroyables à faire avec ça. Des matériaux qu'ils subliment et qui deviennent des œuvres fortes qui poussent à la réflexion. C'est ce qui a séduit Diane Dufresne, une amie de la famille. Quand on regarde aussi toutes les couleurs, c'est une exposition, en fin de compte, une exposition coup de poing. À 92 ans, Armand Vaillancourt ne s'est pas assagi et il garde le feu sacré. On a envie de travailler, on travaille, et puis je pense que c'est pas le travail qui fait mourir, hein? C'est juste la mort. Moi, ça m'est pas arrivé encore dans ma vie d'avoir me sentir que, oh, ben là, je suis assez vieux, là, faudrait que j'arrête. Ben alors, tasse-toi, mon tabarnouche, là. Deux cœurs, deux têtes, entre rêve et réalité, est à l'affiche du Centre d'art Diane Dufresne de Repentigny. Ici Nabil-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Repentigny.